Ben, les cinq stades, Donc. il y a le déni, il y a la colère, il y a la fuite, il y a la rationalisation. Et puis effectivement, après, il y a le dernier, c'est l'acceptation. C'est le dernier. Et on a des patients qui seront dans la rationalisation extrême. Donc et là aussi, c'est bloquant hein, quand un patient est tel traitement, telle heure, tel machin, et on ne peut pas aborder le psychique, l'émotionnel, le et quand ils sont dans la colère, c'est pareil quand ils sont. Ce qui est pareil pour les dents ou le proche. Oui, hein, ce qui est pareil pour les dents ou le proche. Ce qui est compliqué, c'est que s'ils sont, on va dire tous les deux, dans une même logique, et là c'est compliqué, si c'est deux personnes qui sont en colère, non mais en colère vis-à-vis de la maladie, oui, du système, de l'entourage, de tout ce qu'on veut, c'est compliqué. Alors souvent dans les situations, c'est quand même. Voilà. Oui. Il y a une forme d'équilibre si on pouvait appeler un équilibre. Mais... Oui, et puis c'est pas aussi tranché, hein, parce que cette mort qui approche, ça entraîne aussi beaucoup d'ambivalence chez la personne malade, mais dans l'entourage aussi. J'ai entendu le cancérologue m'a dit, voilà, c'est la chimio de la dernière chance, mais le docteur, il va s'en sortir. Hein.